إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، toujours concernant العقيدة، le dogme. Alors, cela qui suit la série donc de dogme, on a parlé donc de l'obligation de l'existence de Dieu. On a parlé donc que Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa création. Et on a parlé donc qu'Allah Azza wa Jal, il entend, il voit tout ce qu'il a créé. Et on a prononcer le mot, ou là, c'était le mot Allah ma'akum aina ma kuntum, Allah ma'akum aina ma kuntum, Allah il est avec vous partout où vous êtes. Maintenant, on va voir donc cette grandeur qu'Allah Azza wa Jal, il est avec nous. On a dit avec sa connaissance, avec sa science, il nous voit, il nous entend. Alors, ici, on va voir encore une autre création de Allah Azza wa Jal. On essaye donc de comprendre maintenant l'existence de Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il est en dehors de sa création. On va voir qu'Allah Azza wa Jal, il nous voit, il nous entend. Et là, on va passer encore à une création de Allah Azza wa Jal pour qu'on puisse après comprendre, pour qu'on puisse nous autres situer qu'humain dans cet univers. Une fois qu'on a compris notre situation ou notre position dans l'univers, à ce moment-là, on peut à ce moment-là comprendre c'est quoi adorer Allah Azza wa Jal. Et une fois qu'on aura parlé donc d'Allah Azza wa Jal, l'Iman, Arkan, l'Iman, etc., pour savoir, nous dans l'univers, on est positionné comment. Alors il dit ici, Cheikh Abdullah Al-Jibrin, من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بما أخبر الله تعالى به من الأمور الغيبية لدخول ذلك في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، فكل ما ورد من الأخبار عن الأمور التي لم نطلع عليها ولكن جاء الخبر فيها عن الله تعالى في القرآن أو على لسان أو ألسن رسله، فإن المؤمن يتقبل ذلك ويصدق به ويعتمده في الاعتقاد، ولا يجوز أن يعرض ذلك على عقله كالعقلانيين الذين يقبلون ما تقره عقولهم أو عقولهم ويردون ما لا تدركه عقولهم إلى غير الموجود، ويقولون إن العقل هو الذي عرف به صدق الرسول أو الرسل، فلا نقبل إلا ما جاء صحيحا موافقا للعقل. Ça, on a déjà parlé dans la semaine, dans les semaines, les dors qui sont passés, mais simplement un rappel pour qu'on revienne toujours à ce rappel. Ici, on voit que le cheikh nous dit que parmi les signes d'un mu'min, d'un croyant, il croit à la prédestinée, à l'invisible. Ça, c'est la base d'un croyant. Il n'y a pas un croyant qui ne croit pas à l'invisible. Et alors, quand on dit on croit à l'invisible qui a été transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas un musulman. Celui qui te dit je suis un musulman, je prie, etc. et tout, il peut dire tout ce qu'il veut. Une fois qu'il reçoit un verset du Coran ou un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le met comme balance dans la balance, dans son jugement, dans sa raison. C'est la raison l'accepte. Il dit, ouais, ça c'est normal, la raison l'accepte. Il accepte cette information. Si la raison lui dit, non, ça là c'est pas possible, c'est insupportable, ou il y a une contradiction, quoi que ce soit, il le rejette. On appelle ça l'aqlani, mais en général, ce n'est pas l'aqlani, parce que l'aql, la raison, il est respecté dans l'islam, etc. Alors, eux, ils disent, on voit bien, c'est le contraire, ils disent, puisque c'est la raison qui nous a dit, qui nous a amené de dire que cet homme-là dit que la vérité. Alors, puisque c'est l'aql qui nous a désigné cet homme-là, c'est-à-dire la base est l'aql, la raison. Alors, si la raison rejette quelque chose, eh ben, il a raison, que la raison, c'est elle la base, c'est elle le maître qui dirige tout. Et là, on dit que c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est la raison, oui, c'est la raison qui nous a dit que cet homme-là, c'est un messager. C'est la raison. La base de tout ça, c'est la raison.
On avait parlé donc de la semaine, dans les semaines passées, la raison quand il te dit oui, ça c'est, il dit la vérité. D'ailleurs, quand on dit que ça, la raison, il m'a dit que cet homme dit que la vérité, il dit pas de mensonge, mais il me ramène une vérité, mais ma raison n'arrive pas à le. Je fais quoi? Je vais le rejeter. En rejetant cette information, je rejetais quoi? Ma raison. Parce que c'est elle qui m'a dit que celui-là, il dit que la vérité. En jetant ce qu'il vient de dire, ma raison me dit, t'as trompé. C'est toujours, t'as rien fait parce que ta raison a rejeté cet homme-là qui t'a dit qu'il ne dit que la vérité. Mais alors, puisque maintenant, il ment jamais, il vient te ramener une information, tu la rejettes. Pourquoi tu la rejettes? Tu dis là, il ment ou il se trompe ou quoi? Si tu dis ça, tu rejettes encore ta raison que tu avais dit au départ, que ça tombe là, et il ne se trompe pas. Et en plus, ce n'est pas simplement avec la raison, avec les arguments que ça tombe, ou ce messager, qu'on veut dire, c'est l'homme, c'est-à-dire le messager, qu'il t'a ramené avec arguments, avec preuves, avec dalil, etc. Alors, on dit ici que nous, les musulmans, la raison, effectivement, c'est elle, avec les arguments, avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, que ce Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou les messagers, ne se trompe pas, tout ce qu'il rapporte sur Allah azza wa jal, tu dis qu'Allah il est comme ça, qu'Allah il a dit comme ça, c'est la vérité, on ne va pas dire à 100%, mais à 1 000 000%. Un point, c'est tout. Que la raison, mon cerveau arrive à comprendre, c'est bon, s'il n'arrive pas, il n'y a rien à faire, c'est la vérité. Alors ici, on va voir ici une création de Allah azza wa jal, Al-Arsh ou Al-Kursi. La grandeur donc de l'arche et le kursi, pour qu'on puisse comprendre maintenant, on avait parlé de l'existence de Allah Azza wa Jal, on avait parlé toujours, on a parlé dans les semaines qui sont passées, l'univers, etc. Là maintenant on va voir une création pour savoir après pourquoi on va faire ce sujet là. Alors ici Cheikh Al-Jibrin il dit Inna azamat al-makhluq dalil ala azamat al-khaliq. Pourquoi on veut savoir cette grandeur? Cette grandeur donc de trône et de le kursi. Le kursi, c'est celui à qu'on met les pieds là-dessus. Comment on appelle ça? Un piédestal qu'on pose les pieds là-dessus, ça c'est le kursi. Il dit pourquoi on cherche ça? Parce que quand on connaît la grandeur de quelque chose, on peut comprendre la grandeur du créateur. Donc tu donnes une importance à un fabricant d'après ce qu'il a fabriqué. Hein? Quelqu'un qui a fabriqué une machine ou quelque chose, tu connais l'art, la science, la capacité, la grandeur de celui qui a. Alors, en comprenant ces créations de Allah Azza wa Jal, on comprendrait la grandeur de Allah Azza wa Jal. Wa inna man arifa azimat al-khaliq azzamahu subhanahu. Pourquoi alors, quand on sait la grandeur et la grandeur de Allah Azza wa Jal, quand on la connaît bien, on est obligé de l'adorer. Quand toi tu connais quelque chose qui est grand, qui est fort, automatiquement tu as peur de ça. Toute chose qui est plus forte que toi, qui a une capacité sur toi, automatiquement tu as peur. Et si c'était une peur, automatiquement on avait dit dans les deux qui sont passés, on a deux sortes de peurs. Tu as peur de quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu te sauves. Tu essayes de t'éloigner. Mais si tu sais que tu ne sais pas où aller, il n'y a pas donc de protection excepté lui-même. Tu fais quoi? Tu te sautes vers celui-là. C'est le seul, c'est Allah Azza wa Jal. C'est le seul où tu as peur de lui. Il n'y a pas donc de te sauver de lui, non, se dirige vers lui. Tu te sauves de lui, vers lui. Tu demandes protection de lui, auprès de lui. Parce qu'il n'y a pas plus fort que ça, tu ne sais pas aller plus loin que ça. Et c'est le seul, c'est Allah Azza wa Jal. Alors, quand on comprend la grandeur d'Allah Azza wa Jal et la puissance d'Allah Azza wa Jal, on est automatiquement, ça doit venir, et tu dois adorer Allah Azza wa Jal, et ça n'a rien à voir que mes parents ils m'ont dit ou que ça. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a rapporté quelques signes, et comment l'adorer. Car on connaît la capacité d'Allah Azza wa Jal, la force d'Allah Azza wa Jal, l'irada d'Allah Azza wa Jal, mais c'est à lui de nous dire comment qu'on on l'adore. بمعنى انه يعترف له بانه الذي يستحق التعظيم والتعظيم هو التواضع له. Alors, c'est-à-dire de faire l'éloge à Allah Azza wa Jal à cause de sa grandeur, etc. والتذلل بين يديه وعبادته حق العبادة.
والخوف منه ورجاءه والاعتماد عليه c'est-à-dire à ce moment-là tu as peur de lui tu comptes sur lui etc etc Alors ici on va parler donc de la création donc de qu'Allah Azza wa Jal a créé dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam un long hadith mais simplement on va parler simplement ce qu'on a besoin ici Allah Azza le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il y a une personne qui est venue lui poser la question sur l'univers sur la création de Allah Azza wa Jal le prophète lui dit kana Allah wa lam yakun shay'un غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. Alors ici dans ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم il dit كان الله ولم يكن شيء غيره. Au départ il y avait Allah et il y a rien d'autre. Il y a que Allah mais rien d'autre. وكان عرشه على الماء. Son trône se trouvait sur l'eau. وكتب في الذكر كل شيء. Il a écrit dans le Kitab al-Maknoun tout ce qui va se passer. Wa khalaqa as-samawat, après il a créé les cieux et la terre, etc. et tout ça. Alors ici on voit bien que la première chose qui a été créée, c'est quoi? C'est le trône, kursi, l'arche. Mais dans un autre hadith, je ne vais pas donner toute l'explication, j'essaie donc de prendre simplement le... Dans un autre hadith, عن أبي حفصة قال, قال عبادة بن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم un autre hadith il y a un hadith authentique aussi celui-là aussi il est authentique le hadith de Bukhari ici Allah le prophète صلى الله عليه وسلم il dit إن أول ما خلق الله القلم أول شيء كالله عز وجل كريه سي لا بلوم alors ici on a le trône et la plume et c'est ici qu'il va voir une grande divergence entre ulama même Cheikh Al-Albani il avait parlé de la plume certains ulama ils disent non c'est l'arche etc mais à l'une une majorité des ulama et la vie le plus plausible c'est l'arche et pas le qalam par contre ici أول ما خلق الله القلم ici on donne une explication grammaire, c'est-à-dire dans le nahw et tout ça. Il dit, وَمَعْنَ قَوْلُ الْمُصَنِّفْ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي حَدِيثْ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهِ إن كلمة أول هنا إما أن تأتي مبتدأ والقلم خبرها فنقول أول ما خلق الله القلم. Alors ici dans la grammaire, c'est on prend أول, أول on fait avec الضمة أول, c'est-à-dire مبتدأ. والقلم, c'est le خبر. Mais si on, à ce moment-là, on dit oui. C'est-à-dire, la première chose qu'il a créée, c'est quoi? Al-Qalab. Mais si on fait, wa amma anta ati kalimat awwala mansouba. Ou alors, awwala, on ne va pas la prononcer awwalo, on va la prononcer awwala, avec al-fatha. Awwala mansouba, fatakun dharfan. Fatakun dharfan, c'est-à-dire le temps. Parle de temps. بمعنى عندما خلق الله القلم أي أول ما خلقه الله قال له اكتب c'est-à-dire à ce moment-là on comprend أول ما خلق الله القلم on peut le comprendre la première chose qu'Allah a créée c'est la plume mais si on fait أول si on fait أول à la première fois qu'Allah عز وجل il a créé le قلم il lui a dit écrit c'est-à-dire dès qu'il l'a créé il lui a dit écrit pas le premier À la première fois, dès qu'il a crié, il lui a dit « Oktub ». Alors, c'est là la différence. Alors, ici, ils disent, les ulama, la vie le plus « Awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, qala lahu oktub ». À la première fois, quand il a crié le qalam, il lui a dit « Écris ». Alors, il reste, c'est-à-dire, la vie le plus plausible, comme il a dit Ibn Taymiyyah, c'est l'arche. Alors, ici, l'arche, donc dans la langue arabe c'est ism li sarir azim alladhi yajlis alayhi wahid al-muluk l'arche on peut l'appeler sarir c'est-à-dire c'est le grand vous voyez la chaise elle est grande ce n'est pas vraiment à la mesure de la personne quoi c'est immense d'ailleurs ils peuvent s'asseoir une dizaine de personnes de ce côté une dizaine par là et alors c'est immense ça on appelle l'arche on peut même dormir là-dessus
Ça s'appelle le trône, l'arche. الذي يجلس عليه واحد الملوك. ويجلس عليه واحد قال الله تعالى الله عز وجل quand on nous a parlé donc de la reine donc de Saba Bilqis ملكة سبا dans sourate An-Naml verset 23 il dit إني وجدت c'est-à-dire le هدهد quand il expliquait à سليمان إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Il dit, j'ai vu une femme, elle est la reine donc de son peuple, il a tout ce qui est comme puissance. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ Elle aussi, elle avait un arche. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal savait que ces gens-là, donc de ces petites créatures ici, ils vont faire des trônes, des arches, ils vont se montrer comme des rois maintenant, etc. Mais Allah Azza wa Jal, il a créé un arche, ce qu'on va voir, donc l'arche. Maintenant, il dit ici, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ Ça, c'est la puissance donc, de la force des rois, des présidents, etc. L'arche. Alors ici, il dit qu'elle aussi a un grand arche, Adil. Dans Surat Tawba, Allah Azza wa Jal, il dit « فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » Il faut bien savoir ici maintenant pourquoi. Parce que nous autres, quand on lit Ayat al-Kursi, on le lit sur les genoux, d'accord, etc. Tout ce que tu veux, on fait avec roquettes, tout ça. Mais s'arrêter un moment de dire pourquoi on parle de ce l'arche, Kursi, le trône, une création, des créations, dit Allah Azza wa Jal. Non, si Allah Azza wa Jal le cite, Wastawa ala l'arche, et qu'il le dit dans plusieurs sourates, il parle de l'arche, 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 c'est qu'il a une importance. C'est qu'il a une importance. Et nous autres, on comprend les gens de puissance qui se bagarrent quand il y a les guerres maintenant. Vous voyez maintenant, si vous suivez par exemple la Tunisie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, à la fin, après 40 ans, il dit, j'ai décidé de ne pas me présenter au vote. Pourquoi? C'est-à-dire, je vais laisser ma place, le trône, l'arche, le commandant, si je vois le chef, le président. Le Moubarak, c'est la même chose. Je me suis décidé de ne pas me présenter à l'élection, ni moi ni mon fils, le trône, la place, le président, et même il était donc dans la loi pour le passer à son fils. Quand on entend de l'Yémen, la même chose, j'ai décidé de ne pas me présenter, après 40 ans, j'ai décidé de ne pas me présenter aux élections, l'arche, la puissance, la force, et lui et ses enfants. Quand on entend maintenant le Kadhafi, c'est la même chose. Je n'ai pas de pouvoir, j'ai rien, c'est encore un autre spécial celui-là, je n'ai pas de pouvoir, mais il a tout en main. C'est l'arche. Alors, quand Allah Azza wa Jal, il dit, alors, فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ S'ils ne veulent pas te suivre, Mohamed te dit, je compte sur Allah Azza wa Jal. تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Et lui est le maître, le Seigneur de l'arche. Pourquoi toute sa création ici, l'univers, etc., l'humain, nos autres, l'humain, avec nos têtes, etc., le cerveau, toute sa création, et Allah Azza wa Jal cite ici l'arche, Rabbu l'arche l'adhim. Et alors il l'appelle Allah Azza wa Jal Al-Arshu l'adhim. Le arche adhim, comment on dit adhim? Le grand. Le kabir. Immense, adhim. Le kabir, c'est grand. Il faut bien chercher le terme pour comprendre, parce que c'est énorme. Énorme, oui. Grandiose. Grandiose. Non. Alors Allah Azza wa Jal, il nous explique ici, c'est le Seigneur de l'Arsh al-Azim. Dans Surat, je ne vais pas citer toutes les Surat parce qu'il y en a ici des dizaines. Ça parle tous donc l'Arsh, la grandeur de l'Arsh, ce n'est pas un verset simplement. Mais ici, Allah Azza wa Jal nous parle aussi donc de certaines. Il faut aussi maintenant une autre grandeur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il dit, en parlant donc des anges, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِنْ ثَمَانِيَ Alors, l'arche, il est supporté par 8 anges. Maintenant, quand on dit 8 anges, on peut, oui, par beaucoup, l'arche, c'est. C'est quelque chose de grand, mais porté par huit anges.
On va voir maintenant pourquoi on est en train de parler de ce genre de noms qu'on entend dans le Coran, Rabbul Arsh al-Azim, et te vais ce verset-là. Par exemple, si tu arrêtes ici maintenant, tu es dans la prière, et quelqu'un qui a appris ce verset-là. Quand tu arrives là, normalement, si tu as l'image exacte, tu tombes. T'es choqué. Tu tombes, tu ne continueras pas la prière. Tu tombes carrément. Hier, quand j'étais là, je discutais avec mon épouse et on regardait sur l'internet la grandeur du ciel, etc. Ma femme, elle me dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a inimaginable. C'est pour ça ici, nous autres, on lit ces versets-là. Mais quand on entend ici, « Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya » Khalas. Mais c'est quoi ce l'arche? C'est quoi ce trône? C'est quoi ces huit anges? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Mas samawati s-sab' fi janbi al-kursi illa ka halqatin fi ardi falatin wa fadlu al-arshi ala al-kursi ka fadli al-falati ala al-halqa » Alors ici, un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Mas samawati s-sab' » Les sept cieux, en tout, en global, fi janbi al-kursi, à côté de le kursi, le pédestal là qu'on dépose comme un petit anneau, un bal. Les sept cieux. Mais vous dites subhanallah parce que vous connaissez le ciel. Mais non, vous ne connaissez pas le ciel. On connaît un milliard de ciels qu'on connaît, nous autres. Mais alors, le corps, c'est rien que celui des pieds, c'est la bague en déposant au milieu. Mais il te dit, fil ard, wa fadlu l'arshi ala l'kursi ka fadli l'falati ala l'halqa. Et ce coursier-là, il est comme une bague au milieu de l'arche. Et c'est là qu'on voit maintenant, quand Allah Azza wa Jal, il dit, Rabbu l'arshi l'azim. Les sept cieux. Vous savez, ça veut dire sept cieux, c'est pas un ciel. C'est sept cieux. Et ces sept cieux de la création d'Allah Azza wa Jal, si tu prends tout ça et tu ramènes à côté le coursier, ben, il est comme une bague à côté. Et quand tu prends ces sept cieux avec le coursier et tout ça, tu le mets tout près de l'arche, c'est comme une bague au milieu donc, de désert. Tu jettes une bague au milieu du désert. Tu vois le désert et tu mets une bague là-dedans. Alors ça c'est le coursier. L'imam Al-Jabir ibn Abdillah an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant on regarde encore les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit udhina li an uhaddisa an malakin min malaikati Allah ta'ala fi hamalati al-arsh. En fait, il dit, Allah, il m'a permis de vous donner l'explication d'un ange qui porte le trône. Un ange. Il lui a donné l'autorisation de parler. Et il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna ma bayna shahmati udunihi ila atiqihi masirat sub'amiata am. » La distance d'ici jusque-là, c'est 700 ans de marche. 700 ans d'ici jusque-là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les gens, donc, du jour de jugement, les gens de l'enfer, leur peau qui va brûler et se refaire, il a une dimension, je ne sais pas combien de mètres, la peau. Et des gens immenses. C'est pour ça quand nous autres, on avait dit l'autre fois que nous autres, on va rentrer au paradis, on mesure combien? 30 mètres. 30 mètres. Eh bien, on est minuscule. 30 mètres, il est minuscule en vis-à-vis, parce qu'encore ce paradis, il englobe le ciel. Ard sama. Jannat ardu has samawat. Ard, il y en a un, il l'a dit. Alors, c'est le seul... Le verset, il dit que le paradis, il prend
العرض انا ويسكي للجهنم سيح للجنة اللي تو سي غون ولا alors on va mettre le et l'autre il lui a dit il a parlé de عرض pas de طول de la largeur mais pas de longueur il dit écoute bien l'aya il a parlé de la largeur mais pas de la longueur alors ici c'est Allah عز وجل il te dit à cet ange là il a une distance de 700 ans de marche d'ici jusqu'ici Koula l'atiq. Et on sait bien que les ulama te disent ce n'est pas les anges qui portent le trône, c'est un décor, une décoration. Car les anges et le trône, c'est Allah Azza wa Jal qui les soutient. Par son irada. C'est Allah Azza wa Jal, le bateau va tomber, ni les anges, ni le trône, ni rien du tout. Même le ciel. قال الإمام علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته فالعرش والكرسي خلقهم الله إظهارا لقدرته علي رضي الله عنه il dit qu'Allah il a créé le trône mais il n'a pas besoin de trône ni de kursi il les a créés pour montrer sa grandeur et sa force. Alors فإذا عرف نسبت هذه المخلوقات إلى الكرسي وإلى العرش فماذا يكون مقدار الخالق الذي خلق هذه الأشياء؟ Alors si on connaît cette grandeur de le kursi de l'arche, c'est quoi la grandeur du créateur de ces créations? Et qu'on nous dit ahata bi kulli shay'in. Il englobe tout, il est en dessous de tous. فمن عظمت الله تعالى إخباره بأنه فوق العرش وإخباره بأنه على العرش استوى وكذلك أيضا من عظمته وتعظيمه اعتقاد أن العرش محيط بالمخلوقات العرش il englobe toutes les autres créations le trône il englobe tout le paradis les cieux tout وأنه أعظم من هذه المخلوقات le plus grand création qu'Allah عز وجل a créé c'est le trône وكذلك الكرسي فقد قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. Alors, dans cette introduction donc de ciel etc de la grandeur, si on s'assoit nous autres maintenant on s'imagine nous dans ce centre, on est comment, quelle place on a dans l'univers? Parle de Jamaïa, parle de Bruxelles, parle de la Belgique. De quelle grandeur on a? Imagine-toi, l'homme, le révolteur, celui qui se révolte contre Allah Azza wa Jal. Place-toi maintenant dans l'univers. Donc chez toi, à la maison, dans ton villa, la grande villa. Dis à Al-Qaddafi aux autres rois, aux présidents, placez-vous dans l'univers. Ceux-là qui sont assis sur les trônes, mettez-vous dans l'univers. Vous êtes comment dans l'univers, dans cette création de Allah Azza wa Jal? Alors, les ulama, ils disent, la réponse ici, on est nul. On n'est rien du tout. Vous voyez, quand on dit la force 30 mètres, Adam il a 30 mètres, etc. Quelle l'Australie, quelle les grands pays, etc. Les mers, le ciel, absolument. En vrai, on peut dire qu'on n'existe même pas. Pas qu'on n'existe même pas que personnel, nous on n'existe même pas que planète. Planète, pas que les planètes, on n'existe même pas. الجواب لا شيء إذا علمنا أن حجم كوكب المشتري ومعناه ملك الآلهة فقد يساوي 1316 ضعف حجم كوكب الأرض. Si on regarde simplement Jupiter, المشتري, en vis-à-vis de la planète qu'on vit là-dessus, il est plus grand que la planète, c'est-à-dire la Terre, 1316 fois. Ça, c'est Jupiter qui est dans le système solaire qu'on vit nous autres. Il est plus grand que la Terre 1316 fois. Vous avez vu notre Terre?
notre existence ici. Mais ce Jupiter, ce Mushtari, qu'on appelle Imlaq, c'est le plus grand, la plus grande planète, donc la planète dans le système solaire, c'est la plus grande. Mais ils te disent, هذا لا يساوي شيء أمام النجم المتواضع المسمى الشمس. Jupiter qui est plus grand que la Terre, 1316, il est comme à côté donc de Soleil. On va voir peut-être un peu les images. Si vous n'arrivez pas à suivre, vous arrêtez, vous dites Astaghfirullah et vous arrêtez là. Si votre cerveau n'arrive pas, vous dites simplement Subhanallah. Alors ici, on a quelques images que j'ai cherchées. Vous avez vu Jupiter, vous avez vu la Terre. Pour que vous placez, quand on va voir, maintenant on est en train d'essayer de s'approcher de l'Arche, du trône de Allah Azzawajal. La planète là où on vit, elle est ici. On peut la poser comme ça ou comme vous voulez. Ce trou là, ici c'est un tourbillon. Hein. Il est tout le temps, il se déplace, mais... Et c'est un tourbillon. Dans le petit tourbillon, il peut avoir trois planètes dedans. Comme la Terre. Trois fois la Terre. Rien que ce petit tourbillon que vous voyez ici, le rond ici, on appelle le trou rouge, on peut mettre trois planètes dedans. Trois Terres. Vous avez vu, ça c'est Jupiter. La même chose, vous le voyez dans une autre image. Alors ici, vous allez voir le calcul, le soleil il est là, le soleil il est ici, nous on est là, c'est celle-ci la Terre. Tu t'imagines comment tu es ici dedans, en vis-à-vis de l'univers, on se voit maintenant au notre centre ici, ici. Là où il y a la marque en bleu, ça c'est la Terre. Ça c'est la grandeur de la planète où on vit. Ça c'est la grandeur de Kadhafi et le reste qui se bagarre pour ce bas monde. Vous avez vu où il est dans l'univers, et voilà Jupiter le plus grand. Voilà Jupiter le plus grand, et voilà le Soleil. Est-ce qu'on est en train de se placer maintenant pour dire qu'est-ce qu'on existe, où on est placé, comment, dans la création de Allah Azzawajal, dans cet univers? Vous avez vu? Et on se prend immense, grand, et se révolter contre le Créateur qui a créé ces choses. Maintenant, est-ce que vous arrivez à distinguer la Terre maintenant, en vis-à-vis de notre vie? Vous voulez continuer encore? Alors imagine-toi, parce que quand tu dois sortir ici, tu dois savoir quand tu dis Allahu Akbar, tu rentres dans la prière, présente ce que tu as vu aujourd'hui, et ne pas dire Allahu Akbar et partir faire le commerce. Le soleil avec ses planètes. Vous avez vu la Terre où elle est? Là. Voilà Saturne. Voilà le soleil comme il est mis. Imagine de mettre la Terre là, dans le soleil. De cette grandeur. Vous avez vu le soleil? C'est immense. Eh bien, ce n'est rien du tout. C'est minime. Où est-ce qu'il est le soleil ici? Après la boule blanche. Il est là. Il est où? Le soleil, la petite là. C'est le premier. Et les autres, c'est quoi? Ça, c'est des As-Semak al-Ramih, al-Anha, al-Shari, après le Mushtari. C'est des autres planètes. Il y a des planètes qui sont beaucoup plus grandes que le soleil. Pardon? Il y a des planètes qui sont plus grandes que le soleil. Eh oui, il y a là, tu vois. C'est d'autres soleils. Il y a une planète de ceux-là, on va le voir après. D'après le calcul du Alama, d'ici 2012-2013, il va exploser.
Oui, il est arrivé à sa fin dans cela. Vous avez vu cette boule là? Eh bien, ça c'est le soleil qu'on a vu là maintenant, il est là. Ça c'est le soleil. Vous avez vu la grandeur? En le comparaison avec des autres planètes, voilà une qui prend. Ce mec. Voilà le soleil où il est. Vous avez vu le soleil, le système solaire où il est? C'est immense. Eh bien, c'est rien du tout. Imaginez maintenant où est-ce qu'il est le soleil là-dedans. C'est le tout, tout petit. Et notre soleil, le grand soleil là. La Terre, on peut le dessiner la Terre? Non. Fini. Elle n'existe plus. Elle disparaît cette Terre là. Quoi ce bagarre? À quoi ils font la guerre tout le monde? Ils ont oublié Allah Zawajal. Ils sont en train de se tuer en Libye, en Égypte, en Maroc, etc. Ils n'existent même pas dans l'univers d'Allah Azzawajal. Ils n'existent même pas dans l'univers d'Allah Azzawajal. Vous avez vu la grandeur maintenant du soleil? Shamsuna. Il n'existe plus, il n'y est plus. Ici, vous voyez ça? Il y a une flèche, mais on ne le voit pas dans le dessin. C'est un point. Il n'existe pas. Et ça, c'est la planète qu'on a vue maintenant. Celle-ci. Elle est là. À côté de la grande. Et ça, c'est rien encore. Celui-là, il s'appelle Najm. Ici, en français aussi, vous pouvez le lire ici. Antares. Antares. Ils ont appelé comme Antares. Vous avez vu le soleil où il est? On ne voit plus. Disparu. Vous avez vu le soleil? Il y a une flèche là. Un petit point blanc là. Ça c'est Shamsun. Notre système solaire. Notre soleil à côté de celui-là, Antares. Et l'Antares c'est un minuscule. Avec des autres. Ça, c'est les dernières planètes, la plus grande planète qui vient d'être découverte. Et le soleil, l'ont grandi pour le voir, parce que tu n'y arrives pas à le voir. Ils ont fait une loupe à côté de cette image pour qu'on puisse voir un point ici, rouge. Ça, c'est le soleil. Ça, c'est ce qu'ils ont découvert maintenant, ça. Non. Donc, ça se fait qu'il y a encore quelque chose de plus grand. Ils te disent, ça, c'est immense. Ils disent, il y a encore plus grand que ça. Dans l'univers. Alors voilà notre système d'Arb al-Dabbana. La voie lactée où on vit nous autres. Et on est donc simplement dans une place ici. Vous voyez le petit point bleu? Ça, ce n'est pas le soleil. Ça, c'est le système solaire. C'est le soleil avec ses planètes. En entier. Il est là, dans le point. Ce qu'on appelle la voie lactée et la galaxie. C'est ici. C'est et ça, il y en a. Ils ont été prises d'où, ces chutes? Ça, c'est des satellites qu'on monte là, les caméras qu'on fait monter dans le ciel. Les satellites qu'on envoie, qui voyageurs et tout ça, c'est là qui prend ces photos-là. Et là, nous autres, ça, cette galaxie ou la voie lactée ici, avec les petites galaxies, il y en a plein des étoiles, plein des soleils à ce moment. La distance de notre galaxie. C'est sa grandeur. Je ne vais pas le lire là. C'est 925 millions de milliards de kilomètres. Quand on a dit ça, il est là. Le petit point, c'est celui-ci. Ici. Donc la grandeur de celle-là, ici. Et il y en a des autres comme ça. À chaque point, c'est un système. Chaque point. Et de comme ça, il y en a des milliers et des milliers dans le ciel. Une ligne comme ça. Une ligne comme ça, c'est celle-ci.
celle-ci. Le système solaire, là où vous voyez la flèche. Dans une seule, et il y en a des milliers, des milliers, des milliards de systèmes solaires qu'il y a dans l'univers. Mais ça, c'est simplement le premier ciel. Ça, c'est le premier ciel, ce que nous autres, on voit. C'est pour ça qu'on vous dit le minième. Mais à la grandeur, ça, ils n'arrivent pas, on ne peut pas, ils ne peuvent pas le filmer. Alors ici, on voit bien, dans cette galaxie-là qu'on a vue, voilà le système solaire où il est. Là, le système solaire, où il est. On n'existe pas, non? Alors, imagine-toi que quand on te dit que moi je suis grand, je suis fort, l'humanité, la planète, les guerres, l'Amérique, les armes, les tanks, imagine toute cette matière-là, comment il est devant Allah Azza wa Jalla. Comment il est devant le Kursi. La courant d'air. Inexplicable. Si on va dire le système donc de la force, tu vois si tu vois un petit trou des fourmis, là, les petites fourmis, que toi tu mets le pied là au-dessus. Fourmilière. Et comment elle, il te voit le pied là? Important, il est minuscule à côté de ça. Il n'y a rien. Et voilà des autres, des comme ça dans le ciel. Ceux-là, il y en a plein. Ça, c'était le premier ciel, ça. Ça, c'est dans le ciel ici. Dans le ciel, il y a plein de comme ça. Et le premier ciel. Oui, le premier ciel, deuxième et le cinquième, on n'en parle pas, on n'a même pas arrivé au premier ciel, c'est-à-dire la plus proche étoile, on n'est pas arrivé. On ne parle pas donc de la dernière étoile dans le ciel. Ça, c'est simplement ce qu'on peut voir avec nos caméras et avec les satellites qui sont dans le ciel. Voilà donc ce système. À ce moment-là, on comprend, nous autres, on est là, dans la grandeur de ça. Alors, quand on comprend ça, quand on est en train de lire Allah Azza wa Jal le Kursi ou l'Arche, il faut bien savoir c'est quoi le Créateur. Il faut bien comprendre quand on est donc devant Allah Azza wa Jal et qu'on lève les mains et dire Allahu Akbar. Et de dire à ce moment-là, je vais employer mon cerveau, ma raison de comprendre les choses. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu n'existes même pas. Dans ton calcul, dans l'univers, tu n'y es même pas. Même quand ils font le point, ils te disent c'est trop grand. Même le point avec un but, tu fais comme ça, ils te disent c'est trop grand. Alors ici, ils te donnent des calculs, mais les calculs ici, c'est immense. Tu n'arrives pas. Ici, ils te disent إذا علمنا أن عدد النجوم في مجرتنا فقط يبلغ أكثر من 300 مليار نجم. Dans notre galaxie ici, nos autres ici, Derb al-Dabana, une, il y a combien d'étoiles? D'étoiles environ qu'ils ont calculé, 300 milliards d'étoiles. 300 milliards d'étoiles. Combien de milliards qu'il y a de cela? وكذلك فإن حجم مجموعتنا الشمسية لا يعتبر شيئا مقارنة بحجم مجرتنا درب الدبانة إذا علمنا أن مساحة مجرتنا التقريبية هو la grandeur donc de le مربع donc de notre voie lactée ici te dit c'est donc dans 109 milliards 645 millions 856 000 380 trillions. Vous avez vu la grandeur? Et pourtant, il dit c'est minuscule quand on avait avec les autres planètes là-dedans. Alors, ils disent encore. ثم تفكرت في حجم مجرتنا العملاقة درب الدبانة وقلت سبحان الله كيف أن هذه المجرة العملاقة تبدو صغيرة وتافهة مقارنة بعدد المجرات المشابهة لها الواقعة في مجال رؤية التلسكوبات الكبيرة الحديثة وعدد هذه المجرات المشابهة لس combien il y a de voilà que c'est comme ça dans le ciel ce qu'ils ont calculé trouvé et mis 100 milliards majra 100 milliards 100 milliards, pas de soleil. 100 milliards, c'est-à-dire ceux-là qu'on a montré ici. De 100 milliards, des comme ça. 100 milliards.
Parce que qu'est-ce qu'il peut voir? Ce qu'il peut voir, c'est-à-dire, on te dit, c'est un millième de ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est à ce moment-là, il ne faut même pas discuter parce que c'est pour ça qu'ils te disent, si tu n'y arrives pas, ne raconte pas ça à n'importe qui, ils vont te prendre pour un fou. Ne raconte pas ça à n'importe qui parce que la raison n'arrive pas à saisir ça. Alors, notre terre, elle est où maintenant? Notre terre, cette terre sur quoi on vit, sur quoi on pense qu'elle est grande, elle est immense, celle qu'on dit qu'ils font des guerres, etc., ils se tuent, etc., et tout ça, il est où? Mais alors, allez voir maintenant plus grand que ça. Vous avez vu la grandeur? Donc, de premier ciel, ce qu'on a vu dominer, pas parler de ciel complètement, et on n'a pas parlé donc de deuxième, ni de troisième, ni de quatrième, ni de cinquième, ni de sixième, ni de septième, ni de l'Kursi, ni de l'Arsh. Alors, quand on dit à ce moment-là, l'Kursi, vous voyez l'Kursi qui englobe tout ça. Imaginez-vous que l'Kursi, il englobe tout ce que vous venez de voir simplement comme une bague de dents au milieu. Ça, c'est l'Kursi. Alors, quand on entend Ayat l'Kursi, c'est quoi Ayat al-Kursi? Quand on est en train d'entendre Ayat al-Kursi, si tu lis Ayat al-Kursi, tu seras protégé des chétans. Si tu lis Ayat al-Kursi, tu n'aurais même pas pensé que c'est quoi ce Kursi? C'est quoi ce Kursi? C'est quoi cette grandeur qui englobe les sept cieux, celui-là? Et ce qu'on vient de voir maintenant, qu'on a dit un millième. Alors Allah Azza wa Jal, quand on entend à ce moment-là, on comprendrait à ce moment-là la grandeur de ce coursier. Alors il ne faut pas demander. Quand Allah Azza wa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mas samawati sab' fi janbi al-kursi illa halqatin fi ardi falat. Alors ça c'est le coursier. Alors il a arche, c'est quoi? Et le trône de Allah, c'est quoi en comparaison de tout ce qu'on voit ici? Alors quand on dit stawa ala l'arche, رب العرش العظيم أسأل الله رب العرش العظيم c'est quoi ce dua? Pourquoi ce dua il est là? Il te dit, si tu le dis 7 fois, tu es guéri. Si tu le dis à un malade 7 fois, tu es guéri. Mais on n'est pas guéri parce qu'on n'a pas vu l'arche. On n'a pas vu la réalité de l'arche. On n'a pas vu la réalité de la grandeur de Allah Azza wa Jal. رب العرش العظيم أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. Mais il y a rien que de prononcer ce mot-là, quand tu compares ça, tu vas trembler. Rien de trembler, c'est d'entendre l'arche العظيم. Et tu entends cet univers, nous autres, on a montré que des photos. Alors imaginez cette immense arche à l'infini. Comment tu y es là-dedans? Alors, à ce moment-là, quand on dit, Allah Azza wa Jal, il dit, فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Et quand on dit que l'arche, c'est la plus grande créature qu'Allah Azza wa Jal a créée, alors quand on regarde cet univers, à côté de son arche, on ne va même pas le voir. Alors maintenant, on a réalisé, on habite, avec le GPS, on se trouve dans ta maison, dans ton grand salon, dans un grand hôtel, dans un grand étage, dans ton grand télévision plasma. Tu te vois avec ton grand télévision plasma. C'est grand, hein? C'est immense. Hein? Avec ta grande voiture là, le grand avion que la France a fabriqué. Il prend 800 personnes, 1000 personnes. Vous avez vu les 1000 personnes, la grandeur? On est où? On est comme? Comment on appelle ça? Poussière. Poussière. Insignifiant. Le mot, il existe, il est là. On est en train de chercher. Insignifiant. Qu'est-ce que tu vas mesurer? Qu'est-ce que tu vas mesurer de cet univers qu'on n'a même pas le rien tout? Quand on dit les chiffres ici, c'est infini. Où est-ce qu'il est la terre? Où est-ce qu'il est toi dans la terre? Combien il te faut pour marcher dans la terre? Alors, est-ce qu'on se voit à ce moment-là?
Quand on s'installe dans son fauteuil, on ouvre sa télévision, grande télévision, plasma dans sa voiture, la grande et spacieuse, etc., etc., etc. Le grand avion qui prend beaucoup de gens. Imagine-toi quand tu es ça, tu dis, où je suis dans l'univers, où je suis dans la création de Allah. Je suis placé où dans le coursier de Allah. Je suis placé où dans l'arche de Allah. Allah, il me voit. Il y a de quoi me voir. Il n'y a qu'à de voir. Tout est devant lui. Un rien, minuscule. Alors, à ce moment-là, on dit simplement, la seule chose qu'on peut dire, on va dire Subhanallah. Subhanallah, As-Sami'ul Alim. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ يُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرْ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ. Allah Azza wa Jalla est rien qui se cache devant lui. Tout le voit. Fil ard wa la fi as-samaa, né dans la terre, né dans le ciel. Quand Allah Azza wa Jalla nous parle de la terre, vous savez pourquoi il nous parle de la terre? Parce que c'est celle-là qu'on connaît la grandeur. C'est la seule chose qu'on connaît comme il est grand et immense. Min dhalika wa la akbar illa fi kitabin maknoun. Tout est inscrit. Tout ce que vous voyez là, tout Allah Azza wa Jal le voit, l'entend, l'inscrit avant de la créer. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-An'am « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا » Une feuille qui tombe n'importe où sur ce globe-là, Allah Azza wa Jal le voit, l'entend. Et c'est lui qui a décidé qu'il tombe. Imagine-toi. Oui, la forêt amazonienne, elle est grande, hein. Il est toujours grand ou il est plus grand? La forêt amazonienne immense, le poumon du monde. Et quel poumon? Un point. C'est quoi la forêt amazonienne? Avec tout ce qu'il y a dedans, à rien. La qimata li hadhihi ad-dunya, comprendrez qu'il n'y a aucune importance à ce moment. Ce n'est que d'adorer Allah. Vous voyez ce qui se passe dans des pays musulmans maintenant, avec toutes ces guerres, ces morts, etc. Ces déchirures, ces bombes qu'ils jettent sur des trucs là, absolument aucune importance à ce moment. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. » Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si ce bas monde a une importance dans la création de Allah azza wa jal, s'il a une importance, il ne donnerait pas à un mécréant qui ne croit pas en lui une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Tu ne me crois pas? Tu ne crois pas en Allah? Tu ne l'adores pas? Tu ne donnes pas à voir. Mais il lui donne à voir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'importance. En vis-à-vis de ce qu'il a créé, Allah azza wa jal. Imagine-toi qu'est-ce qu'il y a comme création dans l'univers. Imagine qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième ciel. Qu'est-ce qu'il a créé en base, dans le troisième, dans le quatrième, dans le cinquième. Immense. Et nous autres, on croit que nous sommes les seuls à l'adorer. Qu'est-ce que tu es en vis-à-vis de ce qu'il a créé en base, pour l'adorer. Alors on comprend à ce moment-là de se dire pourquoi à ce moment-là ce sujet-là. Effectivement, ce sujet-là, on l'a fait ici pour comprendre la grandeur de Allah Azza wa Jal, comme il a dit dans Surat Zumur 67, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas donné la grandeur exacte de Allah. Ils n'ont pas donné la grandeur, la puissance de Allah exactement. Et alors, quand on dit, oh, mais ces guerres-là, Allah, il intervient. Ben, c'est quoi cette planète? C'est quoi cette planète-là où ces chamais, ces gens-là, ces petites bêtes-là, ces fourmis? Allah Azza wa Jalla dit « وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ »
Vous avez vu le ciel là? La grandeur. Là, il le plie. Dans un autre surat, surat Luqman, هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Ça c'est la création de Allah. Allah Azza wa Jalla dit ça c'est ma création. Montrez-moi ce que vous avez créé vous-même. Pourquoi ce sujet-là? Ce sujet-là a une importance de ce qui va venir par après. Pour qu'on puisse comprendre, je ne vais pas citer encore les autres planètes et tout ça, parce que ce qui va venir après, on va parler donc de cet humain, de ce Adam, qu'Allah Azza wa Jalla va créer parmi tous ceux qu'il a créés dans cet univers, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que nous autres on doit faire? Quand Allah Azza wa Jalla nous a créés, pourquoi il nous a créés? Pour quel sujet qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés? C'est ce qu'on va voir dans le Doros qui vient, pour savoir qu'on te dit que tu es un homme, que tu es fort, que tu es sur la planète, qu'Allah Azza wa Jalla t'a créé pour l'adorer. Il faut comprendre à ce moment-là. Tu es absolument rien. Absolument rien. J'espère que vous avez saisi la situation, que ça nous reste un petit peu dans la mémoire, dans nos prières, quand on se dirige vers Allah Azza wa Jal. Je sais que c'est difficile pour nous, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tous ces problèmes qu'on a, parce qu'on est habitué à ce bas monde. On est habitué à ce superflu. Même le pauvre, le dernier pauvre, il s'accroche à ce bas monde. Et pourtant, quand on regarde cette planète, d'après ce qu'on a décidé maintenant de voir dans cet univers, on n'est absolument rien. On est là simplement de bien réfléchir, que demain, on ne sera pas là. Et demain, on sera dans l'adoration. Je ne vais pas donc demander des explications. Les autres qui disent qu'il y a une planète en 2200, en année 2012, il va s'exploser. Et d'après leurs calculs, Allah Alam, ils ont été chercher ces calculs, et c'est des savants qu'on est mondialement. Qu'il y aura un deuxième soleil pour la planète Terre et qu'il y aura de la lumière tout le temps. Et ainsi de suite. J'arrête ici, Inch'Allah. On parlera à ce moment-là dans les doros qui vont venir. Et on va voir à ce moment-là Khalq Adam et la thèse de Darwin, qu'il n'a rien compris, puisqu'il lui aussi, où il est passé dans cette. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم